alors déjà, avant qu'on commence quoi que ce soit, oui, il se pourrait que j'ai rasé ma barbe et que maintenant on dirait que j'ai 12 ans alors que j'en ai 24. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 mois, j'ai sorti cette vidéo dans laquelle j'essayais de faire top 1 sur tous les serveurs. Et bien aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné, c'est l'heure de l'épisode 2. Je vais encore une fois avoir 3 parties. Avant chacune d'entre elles, je vais encore tourner la roue pour savoir dans quel serveur je vais jouer. J'espère que je vais être meilleur que la dernière fois. En tout cas, pensez à vous abonner si vous voulez pas rater le prochain épisode. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me soutenir en rentrant le code créateur YoYo dans la boutique. Maintenant, on part pour tourner la roue. Et attention, je vais jouer sur le serveur Asie. Mais c'est parti, je vais dans les paramètres. On peut voir que je vais jouer avec 237 ms. Mais c'est pas grave, j'ai confiance en moi, maintenant j'ai l'habitude. Pour le spawn, cette fois-ci, je vais pas aller dans la jungle. Parce que ça y est, je pense qu'on a compris, on connaît par cœur. Là-bas, j'y vais dans toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va innover un petit peu. Direction Frenzy Field. Allez, maintenant, observation, concentration. Il y a un ennemi qui spawn ici, ok. Il a déjà une arme. Vite, il est pas loin de moi, faut que j'en trouve une moi aussi. Ok, j'ai eu la pire possible. Mais pourquoi y a pas le viseur de mon AR? C'est quoi ce délire? Ok, 23-46, mort. Le pauvre, il avait des petits pistolets, il pouvait rien faire. Allez, maintenant le coffre là-haut. Il me donne que des trucs que j'aime pas. Oh, là il y a un sniper, il me le faut. Ah, je sais pas pourquoi les gars, mais en ce moment je kiffe de fou le sniper sur le jeu. Après, avec 200 de ping, est-ce que je vais aimer? C'est une autre question. Hop, on mange des petits champignons pour se mettre de la vie. La grosse, on se la tape. Et un petit lance-grenade épique. Ah ouais, mais je suis bien là en vrai. Maintenant, je vais aller prendre le drapeau. On sait jamais, je récupère un stuff de ouf dessus. Hop là, air bleu, pas mal. Maintenant, faut que je fasse un choix. Soit je pose le lance-grenade, soit le sniper, mais je peux pas garder les deux. Vas-y, je pose le snipe. Y'a un gars qui m'a tiré dessus. Il arrive sur moi, 23-47. Et non mon gars, tu me rats pas avec ta stratégie du lance-grenade. Non. Si, il va m'avoir en fait. Ok, moi aussi j'ai des répus. Et moi aussi j'ai un lance-grenade. Tiens. Prends. 65 blancs il a pris. Oh t'es fini mon pote. Et voilà, tu dégages. Mais il avait le lance-répu mythique. Donne-moi ça mon gars. L'air aussi. Et vas-y maintenant je me retape la grosse. Voilà, c'est bon, je suis full. C'est comme si c'était rien passé là. Le lance-grenade finalement je vais pas le prendre. On l'a testé, maintenant c'est au tour du snipe. Je vais tester sur le bot là. Non, mais pourquoi ça me tire dessus dès que je suis occupé à chaque fois? 22, il a pris. Ah ouais, il me rush lui, il a vraiment pas le temps. Vas-y, je me barre. 28, ok, il me rush encore, je me rebarre. Il me suit, regardez-le. Voilà, 28 encore, crack, 28 blanc. 20, 56, je le rush, je peux pas le retake, je pense. Eh ouais, impossible de retake. Hop, je me rebarre. Je joue comme un gros loser. Et ouais, je me cache derrière l'arbre. Bon, il a quand même réussi à me toucher. Crac encore. Et je vais bientôt plus avoir de build. Ok, il se met bien là. Il est en train de se remettre de la vie. Je rêve pas. 28. Il a pas l'air mauvais. Et j'ai plus de balles d'air. Putain, c'est la sauce. Ok, là, il y a un kit et tout. La suite de la game risque d'être compliquée là. Le vage, je le bois. Et par contre, les balles d'air là, c'est chaud là. Faut que j'en trouve absolument. Là, il y en a. Ok, pas mal. Mais regardez, c'est le gars de tout à l'heure. Il se met un kit derrière l'arbre. Ah, si, il a cru qu'on allait le laisser tranquille lui. Il se met le doigt dans l'œil. J'ai raté ma balle. Quel dommage. Et je me répue. Ah non, je peux pas. Putain, faut que je recharge. Allez, recharge, Johan, recharge. 40, il a pris. Je me répu. Ah, il s'est répu de l'autre côté. Non, vas-y, je vais le laisser tranquille, tant pis. Ça fait 2 heures, je me fight avec, mais faut pas que je meure juste pour ça. En plus, j'ai utilisé toutes mes balles de lance répu pour lui, là. Hop là, il y a une plante de shield, je me la mets. Une autre ici. Hop là, petite mini pour être bien. Ah là là, construire avec 200 de ping, par contre, c'est vraiment affreux. Et voilà, c'est bon, je suis en zone. Allez, il me faut des balles, absolument, là. Faut que quand je touche un gars, je puisse le spam. Ici, il y a une pizza. Hop là, je mange ça tout de suite. En vrai, ça va, là. Comment ça va être pas trop mal. Oh, mais attendez, il y a un ennemi, là. 62 blancs. 35 blancs encore. Mais crève. Et voilà, ça dégage. Bon, franchement, comme au premier épisode, il y a pas mal de bots là dans ma partie. Alors, je sais pas si c'est à cause des serveurs, de mon niveau de compte ou quoi. Mais c'est ce que j'ai remarqué en faisant ce concept. À part le gars de tout à l'heure que j'arrivais pas à tuer, lui c'était pas un bot. Et comme par hasard, j'ai pas réussi à le tuer. Juste ici, ça se bat et c'est pas des bots. Crac, 140. Il a un HP. Pitié, crève! Non mais attendez, encore ce skin focus. Il va me suivre toute ma vie lui. Vas-y, je me casse. Là l'objectif c'est quand même le top 1. Au moins, on est sûr qu'il y a pas que des bots. J'aurais peut-être dû regarder dans le coffre à clé qu'il y avait, s'il y avait pas des balles de roquette. Wesh, j'ai ouvert 2 coffres, 2 lance-grenades. Du coup, j'ai récupéré des balles de roquette. Il y a un gars sur la tyrolienne au-dessus. Il est en face maintenant. Et le gars que j'ai vu, il a réussi à disparaître là. Pourquoi je le trouve pas? Il est là. 62. Oh, crack. Et il est mort, c'est bon. Hop là, donne-moi tout ton stuff là. Hop là, 25 blancs, 25 shield. Attention, j'arrive. Crack. 28 blancs. Je vais le suivre, hein. J'ai pas vu où il s'est posé. Il est là-haut. 28 encore, il a pris. Un snipe, mon petit pote. 262. Mais quoi? Ah mais il est juste là lui aussi, regardez. Crac. Ok, il veut pas que je le tue. Mais s'il te plaît frère, laisse-toi mourir. Je vais péter les plombs. Et il a tué un mec en plus. Regardez-le. Ah mon gars, si tu crois que tu vas rester là, tiens, tu te répues dans ta gueule. Hop, crac est mort, voilà. Maintenant il y a le bot qui me lâche plus. Voilà, t'es mort toi aussi. Un ennemi tout au bout, tout là-bas. A voir s'il y a pas une petite balle de sniper à lui caler à lui.
Je l'ai tué. Mais let's go. Premier serveur validé. On va retourner la route tout de suite pour la deuxième partie. Du coup, il n'en reste plus que 4. Et attention, on tombe sur Amérique du Nord-Ouest. Donc, comme tout à l'heure, dans les paramètres, on se met en Amérique du Nord-Ouest. 173 ms cette fois-ci. Donc, je devrais bugger un petit peu moins. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis beau gosse à chaque fois quand je brille de mille feux avec cette couronne royale. Non, sérieux, le flow est stratosphérique. Comme spawn, cette fois-ci, je vais choisir Eclipsed Estate. Ah ouais, mais c'est peut-être pas le meilleur bail là. Parce qu'ils vont avoir des armes mythiques, du coup, les gars qui vont sortir de là. Et eux, ils auront pas de problème de ping. Bon, vas-y, c'est pas grave, c'est le jeu, je vais m'en sortir, je le sais. Ici, du shield direct, un pompe et des répus. Vas-y, je vais me répu là-bas. Il y en a partout des bots ici. Ah ouais, non, il y a des ennemis aussi, c'est pas bon bail, vas-y, je me barre. Mauvais délire là-bas. Hop là, je vais farm gentiment, retour au point de départ. C'est pas pour qui je me suis pris, moi. Et maintenant, faut y retourner, mais discrètement. Mais attendez, il y a un gars dans l'eau là-bas, là. Je vais attendre qu'il passe en dessous et je lui saute dessus. C'est parti. Ok, touché. Et il est mort, c'est bon. Là-bas, c'est qui? C'est le bot. Ok, mais c'est parti, on va le buter. Ah ouais, il fait mal par contre. Mais crève, s'il te plaît. Merci. La tourelle. Mais elle fait trop mal la tourelle. Oh là là, j'ai intérêt à me bouger, il y a des ennemis partout au-dessus. Oh, mais il y a un mec juste là. Oh. Crac, il m'a mis un HP aussi. Il est dans ma box. Je l'ai raté, dommage. Non. Je l'aurais pu. C'est pas possible, top 56. Ah mais il y a mon chat sur moi en plus, j'avais même pas vu. Malheureusement, j'aurais pas validé le top 1 sur ce serveur. On passe du coup à la troisième et dernière partie. En espérant que cette fois, je vais pas me rater. Sinon, ça voudra dire que j'ai été moins bon que la première fois. Alors, où est-ce que le hasard a décidé de m'amener pour cette dernière partie? Attention. Et ça tombe sur Brésil. On le met dans les paramètres. 219 ms cette fois-ci. Donc, c'est entre le premier et le deuxième serveur. Si je fais pas n'importe quoi, je devrais m'en sortir. Alors, cette fois, on va aller dans un lieu beaucoup moins fréquenté. Direction Brutal Bastion. Mais en vrai, le spawn dans ce concept, c'est un petit peu le pire moment. Au milieu de la game, j'ai souvent des répus, un lance-bélier, enfin un truc pour fuir quoi. Au cas où que le fight se passe mal, et au spawn, ben je suis à poil hein. Il y a un gars qui a atterri juste à côté. Ah, mais il est là. Il est mort, c'est bon. Mais est-ce que je me tape ma grosse pour 10 de shield? Franchement, si vous me connaissez un petit peu, vous le savez, évidemment que oui. Oh, la chute, c'était inattendu ça. Maintenant, est-ce que je mets le camion de shield pour les 20 HP que j'ai perdu? Encore une fois, bien sûr que oui. Il y a un mec là-dedans, j'entends casser. Il est là. Crac. 48 blancs. Et lui aussi, il retourne au lobby. En vrai, je suis en train de penser, j'ai eu grave de la chance à la première game de tuer le gars qui avait le lance-répu. Parce que ça m'a clairement sauvé la vie. Allez, maintenant, je vais aller prendre le pad. Hop là. Maintenant, est-ce qu'il y a pas un petit gars là posé sur béquille quelque part? Si, là-bas, ça se fight. 34 morts. Le pur vol. Crac. Ok, je vais aller le chercher, lui. 53 blancs. Et il est mort, c'est bon. Ok, ça tire devant moi, là. Oh, et il y a un gars qui se fight avec un dinosaure. Je l'ai tué. Je prends même la faille derrière. Ici, il y en a un qui a pris la tyrolienne. Maintenant, il prend la liane. Il fait le tour du monde. Hop, crac. Je l'ai tué. En dessous, ça se fight encore. Ils sont dans l'eau. Mais wesh, mais il y a que des bots dans ce serveur. C'est pas possible. Vous allez pas me dire que ça, c'est un vrai joueur. Hop là, ça en fera un de moins sur la map. Et lui aussi, il fait partie de leur team, donc je le bute aussi. Mais sérieux, là, j'ai 8 kills, je suis même pas sûr d'avoir croisé une vraie personne. Donc finalement, je pense que ça dépend vraiment des serveurs. Il y en a sûrement qui sont plus joués que d'autres. Oh, attendez, il y a un gars là-haut. 22. Et non, il a construit comme une personne normale. 22, 45, 68, 91. L'autre 22 aussi. Il se barre là-haut. Ah ouais, mais laisse tomber. C'est les seuls mecs qui a, ils veulent pas se battre aussi. Là. Crac. C'est bon. Maintenant, il y a un gars qui me rush. Vigilance max, Yuan. Quoi, je l'ai pas touché là? Vas-y, je vais utiliser mon roquette bélier. Le gars qui m'a agressé devrait être vers là. Bah, apparemment, non. Hein, il compte pas sortir de la tempête. Hein. Tant pis, je vais avancer. Encore du monde au-dessus de moi. Oulala, là, là, là. Merde, mais ça construit pas, frère. Ça construit une fois sur 14. 22, 44, 21, 53. Je vais le rush en roquette bélier. Mais quoi? Regardez, il y a un gars qui fait une skybase, je vais le faire tomber. Non, quelqu'un l'a fait tomber avant moi, je suis deg. Il y a un autre ennemi là, 23. Je vais pas le laisser tranquille lui. Je vais le rush carrément. 46, alors poteau, tu dois avancer pour aller en zone ou quoi? 46 encore, il doit pas avoir énormément de build. Parce qu'il construit pas beaucoup. Est-ce que je lui mettrais pas un coup de roquette? C'est parti, roquette bélier dans la box. Il est tombé. 33. Non, il a le mur, non. Faut pas mourir comme ça, pitié. Je bug beaucoup trop. C'est bon, il est mort. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, les gars. Tout ce que je sais, c'est que je suis vivant. Thompson, je récupère. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Se passe en or, je récupère aussi. Oh là là, mais je suis trop bien là. Bon, à part en termes de vie, là, c'est vrai que je suis grave dans la merde. Mais sinon, je suis bien. Oh, une grosse posée juste là. Je suis obligé de faire top 1 avec ça. Yes, la tempête elle arrive, par contre, faut que je me dépêche. Là-dedans, des bananes. Alors, on dit pas non. Ici, un petit baril. Mais ça va, même la vie, finalement, je suis pas trop mal. Attendez, il y a un gars là-dedans. Quoi, il a construit alors que je l'avais pas vu? Regardez, il est là. C'est quoi cette cachette de zinzin? 152, il a pris. Ok, je vais le rush au roquette bélier vu qu'il est là-dedans. Non, il a répu. J'ai pas vu où il est parti. Il est là-bas.
21. Non! J'ai pris une balle de snipe, c'est pas possible! Bon, et bien malheureusement, aujourd'hui, j'aurais été encore plus mauvais qu'au premier épisode. J'aurais fait qu'un top 1 sur 3. Ah, en vrai, je me suis grave déçu aujourd'hui. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, oubliez pas le petit like. Maintenant, je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end. Et je vous dis à samedi prochain. Ciao!